Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, eh bien nous allons faire une ouverture de cartes Animal Crossing des Amiibo. J'en ai eu pour 200€ d'achat. Donc j'espère bien dans cette vidéo que je vais avoir des habitants ultra méga rares et absolument incroyables. Pour le bien de cette vidéo, eh bien je ne filme pas avec ma caméra. Bon bah elle va surchauffer parce qu'il fait actuellement 40 milliards de degrés de dehors, ça veut rien dire. Donc ne vous inquiétez pas, je suis quand même habillée, on va pas se mentir. Comme vous pouvez voir actuellement, eh bien nous avons le petit bureau qui est juste incroyable comme ceci. Avec mes ongles, voilà, jugez pas mes ongles, ils brillent et il y a des fleurs. Bon écoutez, pour le bien de cette vidéo, je pense que je vais mettre des petites bagues, histoire d'avoir un peu de chance, parce que intérieurement je pense que je vais avoir grave de la chance si je mets des bagues. Hop là, hop. Et voilà, bon bref, je suis trop contente, j'ai reçu enfin mon carton colis Amazon. Oh, non mais le truc est vraiment beaucoup trop gros, on va pas se mentir. Je vais essayer de l'ouvrir comme il te doit, sachant que j'en ai pris à peu près 20 ou même 25 paquets. Donc si cette vidéo obtient 1000 likes, vous aurez la partie 2 ouverture de carte Amiibo. S'il n'y a pas 1000 likes, vous n'aurez pas la partie 2. Tant pis pour vous. Bref. Ouais. Oh my god. Oh non mais MDR. J'ai acheté donc un classeur pour ranger toutes mes cartes Amiibo parce que j'en ai énormément. Et là vraiment, je tombe sur ça comme classeur. Mais quelle déception. Mais bon, là n'est pas le sujet puisque... Ta-da-da-da. C'est tout? Oh my god, regardez-moi ça comme c'est beau, trop beau. Oh my god, oh my god. Non mais ça s'arrête jamais. Bon, je propose qu'on commence par ouvrir ça. On va enlever ces petits animaux parce que c'est pas ça qu'on veut. Et regardez-moi ça, je vais pouvoir ranger toutes mes cartes Amiibo dedans, ça va être trop bien. Voilà, n'hésitez pas à investir dans un petit classeur transparent pour pouvoir ranger de ces cartes parce que moi vraiment j'en ai genre plein. Je vais pas vous mentir que quand je parle d'avoir plein de cartes Amiibo, je parle que j'ai genre deux gros paquets comme ceci. Plus les jetons Amiibo, donc c'est pas des cartes, mais j'espère au moins que je vais pouvoir toutes les ranger. Sachant que j'en ai quand même des plutôt rares, genre j'ai par exemple Raymond, j'ai plein d'habitants trop stylés, la mise à jour 2.0, des nouveaux habitants, des anciens. Et j'ai deux, trois aussi petits habitants pas fous. Mais regardez comme ils sont trop mimi. Donc vraiment, grâce à ça, je vais avoir plein de beaux habitants. J'espère bien, je vais pouvoir tous les ranger dans mon classeur. Faudra que je le personnalise pour vraiment faire des belles cartes. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons simplement des paquets de cartes Amiibo. Alors donc, ici, nous avons par exemple un paquet de 10 cartes Amiibo, si je dis pas de bêtises. Je sais que ça m'a coûté genre 200€, donc j'espère avoir des habitants de ouf. En plus, j'ai pris des collections anciennes qui me permettra d'avoir des habitants normalement stylés. Et je crois que dans la collection, celle-ci, dans la collection numéro 2, ouais, dans la série 2 ici, comme vous pouvez voir, eh bien, on peut avoir Gérard. Donc, sachez que je suis mariée avec Gérard. Je vais me remarier cette année avec Gérard en vidéo. Restez bien connectés et abonnez-vous et mettez un like. Et comme ça, vous verrez potentiellement que je vais avoir un habitant de fou. Bon, j'espère ne pas avoir trop de doublons. Ok, waouh, trop stylé. Et on fait pareil ici. Hop là. Ok, ici aussi, j'en ai plein. J'en ai genre 10 aussi. Oh, waouh, non, mais regardez ce que j'ai, les gars. Abusé. Et ensuite, ici, on en a encore. Donc là, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, trop bien. Comment ça, il y en a 4? Je pensais qu'il y en avait 5. Je me suis fait arnaquer. Normalement, il y en avait 5. Bref. Et ici, nous avons un lot de 4. Ah non, j'ai dit bien 5. Oh, regardez ce que j'ai, les gars. Oh là 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 là. Oh, non, mais. Et après, je m'étonne d'être ruiné. C'est quoi ça? Non, mais là, c'est abusé. Regardez ce que j'ai. Oh, oh my god. Bon, je crois qu'on va pouvoir enfin choisir les petites cartes Amiibo que je veux. Parce que là, franchement, il y en a plein, plein, plein. J'ai un peu abusé. Donc, je propose qu'on ouvre la moitié dans cette première vidéo. Et si y a 1000 likes, on ouvrira dans la partie 2. Alors, non, mais là, ça fait beaucoup trop. J'ai peut-être abusé pour le coup. Oups. Donc me voilà actuellement avec deux paquets de cartes identiques, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Je sais pas par lequel je commence, j'ai bien envie de commencer par celui-ci, il m'inspire vraiment de ouf, donc je me dis qu'on va commencer par celui-ci. Et celui-ci sera pour une partie numéro 2, qui je l'espère sera de qualité, puisque sinon je vais pleurer. Alors je ne sais pas du tout par quoi on peut commencer, puisqu'ici par exemple nous avons la série numéro 3, ici nous avons la série numéro 1, et ici nous avons la série numéro 2. Sachant que dans la 2 on peut avoir Gérard, donc forcément ça me donne beaucoup plus envie. Je propose qu'on commence par la première série, et ensuite on termine par la série la plus haute, donc la série numéro 3, afin qu'on puisse avoir des habitants de folie. Oh, j'ai 3. Donc, on va commencer par les petits verts. Ici, on en a 3. Et ensuite, nous avons la série 2. Et ensuite, nous avons la série 3. Ok. Pour ceux qui savent pas, les cartes Amiibo d'Animal Crossing, ça permet d'avoir simplement ses habitants au camping, donc de les scanner et ensuite, tu pourras les avoir sur ton île. Donc, par exemple, si t'as la carte Amiibo de Gérard, tu te mets super bien, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on va prendre des habitants cool, des habitants sympas, sachant qu'on a 3 cartes à l'intérieur d'un seul paquet. Donc, on a 2 habitants basiques et un habitant de type par exemple Rezeti, Marie, bref des habitants qu'on peut pas normalement jouer ou qu'on peut pas avoir en tant qu'habitant. Bref, commençons sans plus tarder, j'ai un peu... Alors, ok, je sais pas du tout comment on y ouvre parce que je ne suis pas une profession... Ah, comme ça. Oh, stressé, c'est normal. Oh là là, bon, on va tester ce notre premier paquet, je sais pas s'il faut les retourner ou pas, que je m'y connais pas du tout. Oh, je me suis fait spoil. Et j'ai vu un habitant de folie, je sais même pas si je l'ai. Alors, ça on s'en fout à chaque fois. 3, 2, 1... Oh, nul. Oh,
Pardon, mais Lydia, je suis choquée. Premier habitant, je tombe sur cette folie, sur Choco. Oh my god. Et ensuite, je me suis fait spoil, j'ai vu, c'était Anna. Oh, je crois que je l'ai en habitant déjà, mais là, je commence super bien. Enfin, excusez-moi, mais là, je peux pas faire. Mais je valide, en plus, elle est trop mimi, là, en mode verte pastel. J'adore. Et là, oh, bon, je la prendrai pas de base, mais elle est quand même plutôt sympa. C'est Aurélie, donc assez stylée, assez badass. Non, franchement, pour l'instant, des habitants qui pas. Mais les premiers que j'ai eus, mais regardez-moi ça, enfin, désolé. Au niveau des paquets de cartes, là, on en a plein. On en a 5 à ouvrir, des paquets de série 2. Sachant que dedans, on peut avoir Gérard, donc mon habitant préféré, s'il vous plaît, mon mari, en fait, littéralement. Alors, quelle carte habitant rare? Oh non, elle est trop mimi, Cathy. Je l'ai déjà en double. Bon, ça sera l'occasion de vous la passer quand je vais en convention, parce que quand je vais dans des conventions pour rencontrer mes abonnés à faire des meet-up, je vous donne des cartes à Ibo, donc pourquoi pas vous donner Cathy. En plus, elle est mimi, donc ouais. Oh my god, je suis stressée. Oh my god, les gars, j'ai Rosanne. Elle est rose, elle est trop belle. Oh non, oh j'ai pleuré, elle est trop belle. Oh non, 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 j'ai vraiment la chance. 3, 2, 1. Oh non, j'adore ce scooter. Oh, incroyable. Oh non, mais je suis trop fan. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Regardez-moi ça, comme elle est cute, cette carte. Non, mais là, les habitants sont trop bien. Ok, donc là, franchement, j'étais pas du tout déçue. J'ai eu des bons habitants. Là, j'ai eu Cathy et tout, mais j'adore. En espérant que cette petite carte soit mieux. Oh, bah tiens, j'ai Mélo. J'ai eu Mélie, là, j'ai Mélo. Ok, trop contente. En plus, là, elle était vraiment stylée, cette carte. Je prie pour que ce soit Gérard, par pitié, mon habitant préféré. 3, 2, 1. Oh non, mais c'est une blague. J'ai encore un canard. Bon, Terrine, elle est chou en plus. Donc, ça va. J'ai des beaux canards, mais moi, je veux Gérard. Avril. Oh là, il est trop beau. En plus, c'est un chien incroyable. Non, mais là, je suis assez chanceuse. On va pas se mentir. Un an après, il me reste plus que 3 paquets de cartes amiibo à ouvrir. Non, mais là, je suis trop contente. J'ai des habitants de ouf. Bon, il manquerait juste un habitant ultra rare. Oh, j'ai vu du rose. Je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est vraiment trop addictif d'ouvrir des cartes. C'est aberrant, là. 3, 2, 1. Oh, je l'ai déjà, cette carte. Bon, pas fou. Allez, un bel habitant, un bel habitant. J'aimerais trop avoir Cookie. Bon, j'ai eu un chien. Et c'est Ismaël. Donc, à peu près pareil. Non, mais par contre, le tracteur qui passe, non. Allez, Gérard. Oh non, non, pas ça, il est moche, et il s'appelle Charles. Son nom en anglais, c'est Humphrey. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, ici, c'est le prénom en français, donc nous, on doit regarder en bas à gauche. Là, c'est son prénom en anglais, je crois, et après, c'est dans toutes les autres langues, par exemple, ça, c'est en italien, tout ça, tout ça. Donc, ils ont plusieurs prénoms, les chiens, et surtout les animaux dans Animal Crossing. Il me reste plus que 2 paquets de cartes à ouvrir, donc j'ai que 2 chances encore pour avoir mon habitant préféré. Sinon, après la série 3, je crois qu'elle est plutôt pas mal, parce que j'ai des habitants, là, je vois. Ici, on a un petit spoil, on a quand même des beaux habitants, genre, enfin, des beaux personnages, par exemple, ici. On a Serge, Charles et tout, trop mince. Donc on prie. Oh, pas mal. Un beau chat, pas mal. Bon, Bianca, on valide. Allez, 3, 2, 1. Oh my god! Oh, la chance que j'ai. Olivia, trop belle, incroyable, magnifique. Je valide à 200%. Olivia, non mais j'adore. Elle est trop mimi. Non mais là franchement, j'ai de la chance. Un chat incroyable comme ça. Qui dirait mieux entre Rosie, Lynette, ça j'aimerais trop. Allez, 3, 2, 1. Oh, Stéphane, il s'appelle Beau en anglais, c'est une blague. Martin, Lopé et Gigi, d'accord. Bah écoutez, pas mal. Bon, là il me reste plus qu'une seule chance d'avoir l'habitant que je veux. Donc soit je pleure, soit je pleure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je fasse avec d'autres paquets de cartes amiibo, par exemple ceux de la caravanerie, ceux de la mise à jour 2.0. Mais pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. 3, 2, 1. Oh, bon, Don. C'est le frère de Rosetti, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que Don est le frère de Rosetti. Eh si si. Ok, ça va. Allez Gérard. Oh my god, je sais pas là. Je pense que je vais prendre elle en premier. On va changer. 3, 2, 1. Oh non, je l'ai déjà une double. Elle est nulle. Dégoûtée. Carrément, je prends pas le temps de la regarder. Bon, là, c'est le moment ou jamais. Ok, non, ça peut pas être lui. Et... Oh, j'ai peur que ce soit une double que j'ai déjà. Oh, pas mal. Mais tu n'es pas l'habitante que je voulais. Mais bon, ça va. Je suis dégoûtée d'avoir Victor. En plus, je l'ai déjà moche. En vrai, j'ai eu peut-être 2-3 doubles et c'est tout. Après, les autres, je les avais jamais eu. Donc, pour l'instant, en vrai, là, j'ai commencé mais extrêmement bien. Regardez les habitants que j'ai. Ça va, hein. Là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et c'est trop. Alors là, incroyable. Ensuite, j'ai quand même eu Avril et tout. Trop beau. Ismaël me harcèle pas mal. Lui, horrible. Olivia, qui dit mieux. Stéphane, on voit là. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et donc, ok. Bah écoutez, pour l'instant, je suis assez contente des cartes que j'ai. Ça aurait pu être pire et ça fait quand même déjà un bon petit paquet, donc assez contente. Ensuite, on va passer à la prochaine petite carte amiibo. Je sais pas du tout sur lesquelles je peux tomber pour l'instant, donc dans cette série numéro 3. En espérant tomber sur des beaux habitants, s'il vous plaît. Ok, donc ça, on peut y enlever. Là, on va tomber sur l'habitant spécial. Oh my god, je l'avais jamais eu. Oh, la carte amiibo Thibaut, elle est trop belle. En plus, les cartes amiibo comme ça, elles sont holographiques. Elles sont super jolies, donc là, je suis contente pour le coup parce que je l'avais pas. J'aimerais trop avoir celle de Céleste. En plus, j'ai pas l'amiibo en figurine de Thibou, donc en vrai je suis contente. Bon, on va choisir entre les deux là. Oh my god, je suis stressée à chaque fois. Là vous voyez pas, hein. Oh my god, oh
J'ai Rena. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les gens qui osent me demander si je suis fan de Rena. Regardez, j'ai carrément. Oh, je l'ai en plus sur mon île. Mais elle est trop belle sa carte amiibo. Oh là là. En plus, je l'ai en peluche comme ça. Trop bien. Non mais là, c'est des habitants de folie que j'ai en fait. Je vais pleurer. Oh Lily, elle est tellement belle. Oh là non, mais là, je. 200%. C'est l'une de mes préférées. Lily, Liliane, Rena, Gigiola. Non mais trop belle. Oh là. Mais là, imaginons, on a un bel habitant, genre tout mignon, tout kawaii, tout rose, coquette. 3, 2, 1. Oh mais c'est une blague. Non mais là, je pouvais pas faire mieux. Non mais pardon, j'ai Biquette qui s'appelle Chèvre. Non mais incroyable, je l'adore Biquette. Elle irait trop bien sur mon île. Bon, elle, je l'ai déjà, mais. Oh non mais là, je peux pas faire mieux. Là, c'est une vaste blague, les gars. C'est abusé. Je ne pouvais pas faire. Oh non mais là, incroyable. Trop contente. Il nous reste plus que 3 petits paquets de cartes à ouvrir. Après, ça sera terminé. Mais là, pardon, mais série numéro 3, je la sens trop bien. Vraiment, là, je pouvais pas faire mieux. C'est une blague. Bon, on va ouvrir comme ça parce que j'arrive pas trop à l'ouvrir sur le côté. Ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Ok. Ah, il y a un cheveu. 3, 2, 1. Oh bah tiens, j'ai eu Mélie, j'ai Mélo et c'est encore un autre costume. Je l'ai eu au costume à la 2e évolution du magasin. Là, c'est la 1ère évolution. Ok, bon, ça passe. Bon, on espère tomber sur des beaux habitants parce que là, on a franchement fait des habitants de folie et j'étais trop contente. Oh, mais c'est une blague. Non, mais là, les gars, c'est une blague. Je tombe que sur des habitants trop mignons. Je suis trop contente parce que Camille, je la voulais vraiment sur mon île. Je tombe sur des habitants de folie. Juste trop beau. Regardez avec ses fleurs et tout. Non, mais je pouvais pas faire mieux. Non, mais c'est une blague. Elle est trop belle. Oh non, mais j'adore. En plus, elle est rose. Elle est rose. C'est pile pour mon île. Là, je veux un bel habitant, genre rose. Imaginez, je tombe sur Lico ou Christine, Nadine, de beaux habitants comme ça. Bon, dans la vie, on peut pas tout avoir. Mais il est quand même mignon. Et j'ai vraiment beaucoup de canards. Donc ça va. En plus, son porte-bonheur, c'est le 3. Non, mais là, franchement, des beaux habitants que j'ai eu comme ça. Mais qui dit mieux, en fait? Qui dit mieux? Je suis contente. Là, j'ai des beaux habitants. Ensuite, il nous reste que 2 paquets de cartes. Et après, ça sera finito pipo. Mais là, je suis vraiment ultra contente. Alors, oh trop bien, j'ai Morsicus. Je suis contente parce que Morsicus, je ne l'avais jamais eu. Pour ceux qui ne savent pas, Morsicus, c'est le personnage qu'il y a dans les rêves oniriques de Animal Crossing New Leaf et j'aime bien. Bon, des beaux habitants trop mignons. Oh, Antonio, bah j'ai Cyrano. Antonio, ça va, mais je le prendrai pas, mais ça passe. Il est mignon, ça passe. Ok, un bel habitant mignon, s'il vous plaît. Très populaire que j'aime beaucoup. Oh, Betty, trop mimi. J'adore. Ici en bleu comme ça, elle est trop trop chou. Donc, je suis assez contente d'avoir eu ce petit mouton. Manquerait plus qu'avoir Pietro et pas mal. Bon, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dernière. Le dernier paquet de cartes, là, les gars, c'est le dernier paquet de cartes. Donc, je suis un peu excitée de voir ça. J'espère tomber sur des beaux habitants pour clôturer cette petite vidéo. Oh là, si j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi c'est une blague, là? Habitant rare. Oh, je sais pas. Elisabeth. Bon, je l'aime pas, mais. Elle est belle, mais. Trop rigolante, trop pénible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 2 derniers paquets de cartes, là. 3. Oh, je suis stressée. Je sais pas par laquelle je commence. On va commencer par elle, tiens. Oh, oh. C'est un éléphant, je vois un gros trou. Ouais, c'est un éléphant. Une éléphant rose. Hein? Oh, c'est le gros mammouth. C'est le gros mammouth. C'est Barry. Eh, hey, lui, pour un thème tropical, il va trop bien. Bon, t'es pas celui que j'aime beaucoup, mais en vrai, il a grave hein, quand même un flow, tu vois. Genre, c'est très stylé. Mais voilà, on voulait pas de toi. Bon, ensuite, la dernière carte amiibo. On espère clôturer cette petite vidéo avec un habitant de folie. Ok, déjà, je vois du rose. Donc, si je vois du rose en carte, c'est pas mal. Et c'est Patty. Non, ça peut pas être Patty. Un rhinocéros. Non, Patty, son fond, il est vert. Donc, ça peut pas être elle. Oula, peut-être Rina, des trucs comme ça. Genre, le rhinocéros violet. Je sais pas. Oh my god, je suis stressée. Oh my god, je suis trop stressée. C'est une blague, c'est vraiment Patty. Je termine cette ouverture avec la meilleure habitante. Mais c'est une blague. Oh la chance que j'ai. Je suis choquée. J'ai des habitants de folie. Oh non mais j'adore. Non mais là c'est incroyable. J'ai eu Patty les gars en tout dernier habitant. Mais c'est fou. On va regarder un petit peu qu'on a eu dans cette chasse. Enfin dans cette chasse, dans cette ouverture de carte amiibo parce que c'est fou. Donc on a eu Patty, incroyable, Choco. Non mais les gars, Choco, qui peut dire mieux. On a eu Joseph aussi, pas mal. Bon, toi t'es pas fou. Toi je t'aime pas trop. Toi t'es pas mal du tout. Antonio, bon c'est neutre. Je suis contente de t'avoir. Bon, toi t'es à moitié mort. Oh Camille. Eh non mais là j'ai vraiment eu de la chance. Hein. Mélie, ok. Oh là là, mais la chance que j'ai eu, c'est fou ça. Aussi, beaucoup trop de chance. Je voulais trop t'avoir, je t'ai eu. Ça va. Toi, tu vas aller à la poubelle. Toi, ça va. Stéphane, oh là non, mais Olivia, incroyable. Bianca, pas mal. Toi, t'es pas ouf. Toi, bof. Toi, ça va. Toi, je suis contente. Pas fou. Normal. Mais j'ai eu beaucoup de canards. Oh non, mais j'ai vraiment eu de la chance. Ici, j'ai de la chance. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, je suis contente. Ça va. Non, franchement, au niveau des cartes amiibo que j'ai eu, dites-moi quelle est votre préférée en commentaire. Parce que franchement, j'ai eu grave de la chance pour cette ouverture. Je m'attendais pas autant de chance, donc assez contente pour le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite ouverture de carte amiibo. Et sur ce, on se retrouve le mercredi et le dimanche pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'était Charine Cherise. Bisous, bisous.